Comme je l'ai mentionné dans la capsule précédente, on va maintenant parler de bas support, de bas de compression. Je mentionne souvent à mes patients, votre bas support, votre bas de compression est à vos veines, ce que votre soie dentaire est à vos dents. Quand prescrire les bas supports? Les bas supports, les bas de compression, on les prescrit pour diminuer les symptômes, la lourdeur, la fatigue. On peut les prescrire également dans les situations qui vont favoriser l'apparition de la maladie veineuse, donc les gens qui travaillent debout prolongé ou assis prolongé, et également les femmes enceintes. Les bas de compression sont comme une chaussure, donc les mesures doivent être prises pour avoir un bon ajustement, et pour ça, il faut consulter dans des endroits spécialisés de bas médicaux. C'est important d'avoir une bonne évaluation médicale, s'assurer qu'on peut porter un bas de compression, parce qu'il y a certaines conditions de santé qui ne permettent pas de porter un bas de compression. Plusieurs compagnies d'assurance paient, en partie ou en totalité, le coût de vos bas de compression à la condition qu'ils soient prescrits par un médecin.